Il y a des serres micro là, pardon. Serres micro là, vas-y. La cérémonie est déjà commencée. Nous vous prions de pouvoir suivre les restes de la cérémonie. Distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature,
Présidence, mesdames et messieurs, membres du gouvernement, mesdames et messieurs, membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, la cérémonie de ce jour est particulière en ce qu'elle continue de s'inscrire dans la logique de la réforme de la justice telle qu'entreprise par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême de session au pouvoir. En effet, l'on se rappellera qu'il y a quelques mois, trois autres cérémonies aussi importantes les unes que les autres ont précédé celle d'aujourd'hui. Il s'agit de, d'abord, celle du 20 février 2020, au cours duquel avait prêté serment. Et enfin, celle du 4 août 2020, au cours de laquelle le premier président de la Cour de cassation, les présidents et conseillers à la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation, les présidents et conseillers au Conseil d'État, les avocats généraux près le Conseil d'État, le conseiller à la Haute Cour militaire et les avocats généraux des forces armées avaient également prêté serment. Se conformant à l'article 158, alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dispose « La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le Président de la République, dont 3 sous sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en Congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, a signé l'ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, et ce de manière explicite, l'article 10 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la nation, devant le président public, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représentés au bureau. Ils prêtent serment devant le président de la République selon les mots suivants. Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en parcellité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'en prendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le président de la République leur donne acte. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus différents, se basant sur la théorie de la séparation des pouvoirs, telle que développée par Montesquieu au XIXe siècle, la Constitution reprend, spécialement en son article 68, les cours et tribunaux. Comme formant le pouvoir judiciaire à côté des autres institutions de la République, à savoir le président de la République, le Parlement et le gouvernement. Ce pouvoir non négligeable, dont l'indépendance est consacrée à l'article 149 de la Constitution, doit être le garant, voire la sentinelle des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens à travers les cours et tribunaux qui le composent. En outre, les cours et tribunaux auxquels est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire au terme de l'article 149, alinéa 1er de la Constitution,
sont catégorisés en deux ordres juridictionnels distincts, à côté desquels se trouve la Cour constitutionnelle qui est à l'honneur ce jour. Il faut vous signaler que globalement, les compétences de la Cour constitutionnelle résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et de l'article 216 de la Constitution, notamment en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi sur pied de l'article 160 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est aussi la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, honorables députés, honorables sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, après avoir circonscrit le contexte dans lequel s'inscrit la présente cérémonie, qu'il nous soit autorisé, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, de procéder à la lecture de l'ordonnance d'organisation judiciaire précitée, et ce, avant de laisser la place aux heureux nommés de se présenter devant votre auguste personne en vue de leur prestation de serment. La lecture de l'ordonnance.
d'où le besoin de nommer un autre membre de la Cour constitutionnelle et désigner sur l'initiative propre du président de la République en remplacement du membre démissionnaire. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres de la Cour constitutionnelle M. Kalou Badiboua Dieudonné, Madame Kaloumé, Madame Kaloumé Asselocheouzi Alphonsine, Monsieur Kamoulete Babibanda Dieudonné. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, spécialement celles de l'article 1er.5 et 7 de l'ordonnance numéro 14-021 du 7 juillet 2014 et de l'article 1er.2 de l'ordonnance numéro 18-038 du 14 mai 2018 portant toutes deux nominations des membres de la Cour constitutionnelle. Article 3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 17 juillet 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le Premier ministre et vice-ministre. Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankondé Malama, pour certifier conforme à l'original le 17 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colombé-Everandé, directeur de cabinet AI. Excellence, le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec expression renouvelée de nos hommages les plus différents. Pèse à votre excellence que nous appelions maintenant les nommés afin qu'ils soient présentés à la nation avant de les inviter à prêter le serment légal. Nous appelons Monsieur Kalou Badiboua Dieudonné. Nous prions M. Kalou Badiboua Dieudonné.
donné, de bien vouloir prêter son serment légal. Madame Kaloumé, nous vous prions de bien vouloir prêter
le serment légal. Légal.
jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre consentement.
de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême leur en a donné acte. En fait de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal signé à Kinshasa par les membres de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba Diboadjedoné, Mme Kaloumé Asselmoteoussi Alfonsi, M. Kamulete Madibala Diodoné et le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberandé, directeur de cabinet AI. Excellence, le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus différents. Honorables députés et sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, excellences, mesdames et messieurs, membres du gouvernement, excellences, messieurs, mesdames, membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, nous voici arrivés au terme de cette cérémonie qui a concerné la présentation à la nation de trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. C'est le moment autour de laquelle ils ont prêté serment devant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, en présence de la Cour nationale, le Sénat et le Conseil de la magistrature représenté par son bureau. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de remettre la parole au président de l'État tout en vous remerciant. Le président tout à l'heure, devant le chef d'État, les magistrats.
de rentrer dans les différentes questions. Pour les téléspectateurs et puis nous des amis. Voilà, on va faire ça en tombe la type de belle, vous êtes en bonne bouquet. On a même un poisson à Ninja. On a même un poisson à Ninja.